Un excès de vitesse pourrait être la cause de la pire catastrophe ferroviaire à être survenue à Taïwan depuis des décennies. Le déraillement de dimanche a coûté la vie à 18 personnes et fait près de 200 blessés. Les enquêteurs disent que le train allait trop vite lorsqu'il est entré dans la section courbe de la voie avant de dérailler dans la gare de Shinma qui se trouve dans le district de Yilan. La limite de vitesse prescrite y est de 75 km/h, mais le train roulait à plus de 80, voire plus de 100 km/h. L'enquête se poursuit. Les autorités du parquet de Yilan ont engagé une procédure pour arrêter le conducteur soupçonné d'avoir causé la mort par négligence. Les médias locaux ont rapporté que le conducteur et le chef de train avaient signalé avant l'accident une défaillance des freins, de même que des problèmes liés au système d'alimentation.